tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 9h30 et j'attends que mon reportage passe sur BFM TV, comme ça je pourrais vous montrer juste après. Donc voilà, j'attends ça et je vous montre. Et... Bref, voilà. C'est la blonde, elle est numéro 1 des ventes de livres. Elle s'est rendue célèbre en donnant des conseils beauté sur internet. Elle vient de sortir son autobiographie. C'est énorme. Rencontre avec le phénomène Claire Fleury, Jean-Marie Marchaud. Le stress monte, l'angoisse est palpable. Dans quelques minutes, Marie va rencontrer ses fans. J'ai mal partout, j'ai la gorge en feu là. Réaction disproportionnée? Pas vraiment. Oh mon dieu. Ah. De 4 ans, la jolie blonde est devenue une star du web. Plus d'1,5 million d'abonnés suivent ses conseils beauté. Je rentre avec les pouces. Incroyable. Et... Mais il est long le reportage, t'as vu? Pour la jeune fille victime de harcèlement au lycée. C'est vrai qu'aujourd'hui, de passer du stade d'une fille complètement brimée à une fille un petit peu plus regardée dans la rue, ça fait bizarre, mais c'est aussi une belle revanche sur la vie, c'est sûr. Et puis je le souhaite vraiment à toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement comme moi, de pouvoir se relever aussi rapidement que j'ai pu le faire. La success story se poursuit désormais en librairie avec son premier livre autobiographique. Mais c'est pas une autobiographie! Parce que Marie sait toucher le cœur des ados, même si parfois. Ça peut secouer. Trop mignon. C'est fou. C'est fou! Donc voilà, ça y est, je suis passée sur BFM TV, donc ce sera toute la matinée. C'est assez rigolo parce que c'est la première fois que je passe sur BFM TV quand même. C'est la première fois que je fais une chaîne d'infos. Et c'est pas une autobiographie, monsieur et madame BFM TV, si vous passez par là. Mais ça me fait bizarre de voir les images autrement que moi je les ai vues à la rencontre à Paris, donc c'était plutôt chouette. Alors, le programme d'aujourd'hui, un peu chargé, comme d'hab. Donc hier, je suis rentrée justement de la rencontre à Paris. Ce matin, mon père vient me chercher à 10h parce qu'on a un train à 11h pour partir à Paris et aller enregistrer le plateau du supplément de Canal+. Donc en fait, je vais passer sur le supplément de Canal+, dimanche. Et en fait, là, on va enregistrer moi sur le plateau. Donc c'est assez stressant, comme j'avais fait pour D8, sauf que pour D8, c'était en direct. Là, ça ne le sera pas. Donc voilà, en fait, on va juste monter à Paris pour ça. Et ensuite, je rentre ce soir à Lyon, enfin vers 20h du coup. Et demain, je prends l'avion et je pars à Bordeaux pour la rencontre de Bordeaux. Et je rentre dimanche. Et dimanche, toute la journée, il va falloir que je filme des vidéos pour la semaine prochaine parce que je n'en ai aucune. Aujourd'hui, normalement, enfin ça, vous le verrez du coup, ce vlog, vous allez le voir quand? Demain. Vous allez le voir demain. Donc samedi. Et donc aujourd'hui, il y a le swap avec Elsa qui sort. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis longtemps. Et là, du coup, bah, dimanche, il va falloir que je prépare des vidéos pour la semaine prochaine. Donc surtout, si vous avez des envies particulières, même si j'ai déjà plein d'idées en tête, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous emmener un maximum avec moi, donc dans les coulisses de Canal+. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas trop ce que j'aurai le droit de filmer, pas filmer, sachant que je vais être aussi un peu stressée avant d'y aller parce que les plateaux c'est jamais une partie de plaisir, ça fait toujours un peu stressé, donc voilà. Mais je vous tiens au courant et je vous dis à tout à l'heure. Regardez, je suis à la gare et je viens de voir les mignons. Regardez, c'est les mignons. Je sais pas ce qu'ils font là. Oh mon dieu. si énorme. Donc je viens d'arriver dans la loge. Regardez, il y a mon nom. Voilà, c'est plutôt cool. Donc là on va attendre, on va manger. Je pense que je vais me refaire maquiller. Et puis après ça sera parti. Oui, c'est sûr hein. C'est sûr, il faut. Voyez, il faut refaire les trucs. Ah là, c'est pas qu'il faut, mais c'est sûr qu'ici on se maquille. Ah bah ouais. Donc voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Donc je suis passée entre les mains de la maquilleuse, ça a duré une heure. Une heure et demie. Une heure et demie, ouais. Mon père est dans le public depuis tout à l'heure, donc il est en train de s'amuser à écouter les autres invités qu'il y a sur le plateau, donc voilà.
Donc moi je commence un peu à stresser, je vous cache pas. Que j'aime pas trop, enfin j'aime bien les plateaux mais j'ai toujours un peu peur avant, donc voilà. Là on va bientôt y aller, donc je vais pas pouvoir vous filmer quand je serai sur le plateau. Pour ça il faudra regarder l'émission donc du supplément sur Canal+ dimanche. Donc demain pour vous, à quelle heure? À 13h, donc voilà. Mais je vous redirai ça sur les réseaux sociaux. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à après, quand je serai passée. Oh non, ça va, c'est gentil, merci. C'est en fait à Paris que la progression a été la plus forte. Il est capable de manger des trucs. Je me souviens de... J'étais pas vraiment sur Capital. Je me souviens un jour de comité de direction. Je viens de sortir du plateau de Canal+ et j'ai croisé des abonnés. Alors faites-moi un tout petit coucou. Non, elles sont trop gênées. Elles sont trop mal. Donc je viens de sortir du plateau de Canal+, et c'est super bien passé, je vous en dirai plus quand je rentrerai ce soir. Et puis voilà, c'était trop bien, bon j'étais un peu stressée, c'est normal, mais ça s'est bien passé, ils ont passé des images de quand je faisais encore mes anciens vlogs et tout, donc c'était trop cool, enfin ça m'a trop plu quoi. Le reportage est vraiment bien et voilà, j'ai hâte que vous puissiez voir ça, donc pour celles que ça intéresse, c'est ce dimanche à 12h55 sur Canal+, et c'est en clair, donc vous pouvez... C'est en clair, on est d'accord? C'est en clair, donc vous pouvez le voir. Et là, je me demande si c'est pour moi toutes ces jeunes filles. Donc je vous fais des bisous et je vous dis bah peut-être à tout de suite. Voilà. Donc là, on est dans le train et on va partir. Donc on en a pour 2 heures. Et je vais en profiter pour monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et voilà, donc bah écoutez, je vous retrouve quand j'arrive tout à l'heure. Donc je suis à Lyon et donc là on est au restaurant à la Criée, pour celles qui connaissent, donc on mange tous ensemble avant d'entrer à la maison et avant que demain je parte à Bordeaux. Et donc là je mange des sardines grillées et regardez, Jules il a perdu sa dent. Et donc là ça s'appelle l'assiette Océane. Salut. Et toi tu manges quoi? Des moules à la marinière. Et voilà. Voilà.